Gouvernement prend décision pour construire 20 écoles qui ne peuvent pas exister du tout dans la région métropolitaine pas au point parce que manquer l'école publique. Et surtout, dans le cadre de la transformation curriculum, il faut séparer secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 de l'école fondamentale complète là, qui vient jusqu'à 9e année. Parce que jusqu'à présent, il y a quelques lycées qui ont accueilli ça le 3e cycle, 7e, 8e, 9e année. Il y a 10 écoles dans le département de l'Ouest dans tout, qui méritent de construire, en particulier le lycée Jean-Jacques, qui dans le lycée parle il n'y a pas dans 20 à construire parce qu'il existait déjà, mais il y a dans reconstruction. On a commencé côté vraiment, nous avons plus de chances pour que le chantier ça yo, travaille sa fête et que démarre. L'autre chantier qui est très important pour le ministère, c'est le local bâtiment central, le local unique ministère. Là, tout, son gros nouvelle que pour le ministère a annoncé, c'est que toute disposition déjà prend pour que le ministère pas 10-15 locales encore, mais que chantier reconstruction ministère là, chantier dans Rio de il démarre année ça. Ministère a décidé déjà que créole obligatoire depuis dans préscolaire jusqu'en baccalauréat. Et ça, c'est un point fondamental et son mini-révolution que la pied. Et pour nous faire décision ça atterri, c'est pour ça ministère lui fait livre tout. Dans toute matière, ça y est, en créole, en commençant par première, deuxième année, qui en distribution, et puis troisième, quatrième année, qui démarre tout. Qui donc, nous parlons de première, deuxième, troisième, quatrième année, côté tout manuel, il y a une langue majorité pays à parler, et c'est pour ça que ça permet que les Haïtiens comprennent plus bien, et avancer plus bien dans toute leur discipline, et parler l'autre langue. Tout. Année ça, il y a un chantier prioritaire, c'est remplacer enseignants. Qui pour une raison pour l'autre, pas dans le secteur encore. Ça qui parti ou ça qui quitte le secteur. Et dans toute enquête que nous avons fait à Nessa, enquête qu'a fait en ligne, eh bien, ça permet nous, d'ici à partir fin mois, nous commencer à faire un chiffre tout bon sur qui quantité d'enseignants qui parlent là dans le système encore, en façon pour que nous j'ai fait à travers le gouvernement central là, pour être capable de remplacer personnel enseignant qui partit, qui quitte le pays, ou qui quitte le secteur, ou personnel administratif.